Une féerie nocturne appelée Fête du Paradis, Festa del Paradis, pour remercier le roi de ses bienfaits. Dans la nuit, j'ai simulé à ciel ouvert la voûte céleste avec les étoiles. Imaginez qu'elle était parcourue par les astres et les signes du zodiaque en mouvement. Qu'aimait la ville. Je dessine tout, les machineries, les décors, imagine les effets spéciaux, et jusqu'aux costumes des acteurs et figurants, et même parfois de la cour. Quelle avance, mais aussi quelle plaisir. Je suis dans cet atelier de début pour un mouvement de détaillé de corps de chien d'exemple comme en cas d'ouvrage que m'avait fait par le bas sur les riens. La poussière, l'hydrogène entre les muscles, les nerfs et peut-être dans un système qui rend partie de l'invisible. Alors, quel est ça? Vous pensez le bien? Ce portrait de cette jeune Florentine peintre naturelle. Je n'ai cessé de le parfaire à la demande de feu le magnifique Julien de Médicis. Il devrait être fini, mais en aurais-je un jour la totale certitude? Pourquoi cela, cher maître? Il me semble remarquablement achevé. Et jamais au cours de mes voyages, je n'ai vu d'œuvre d'une si rare perfection. Ce sourire, cette expression. Les détails font la perfection, mais la perfection n'est pas un détail, monseigneur. Je cherche à donner à mes figures une attitude révélatrice des pensées que les personnages ont dans leur esprit. Et cette recherche est infinie. Mais si ce portrait, tu le commandes, comment se fait-il? Qu'il soit avec moi au Palazzo del Clou. Depuis Rome, il est des œuvres dont je ne me sépare jamais. Ensemble, nous avons traversé les Alpes à dos de mulet. Il y a ce portrait et ce que vous avez vu dans mon atelier. Le Saint Jean-Baptiste jeune et la Madone assise sur les genoux de Sainte-Anne. Et pourquoi ces trois-là, maître? Je ne me lasse pas de les contempler. Mais je manque à tous mes devoirs. Vous avez voyagé par monts et par vous. Mathurine va vous préparer un bon souper. Nous reprendrons nos entretiens plus tard. L'appétit et le soutien de la vie.